Bonsoir Julien. Donc Julien Pika Eri est parmi nous ce soir pour nous parler donc d'une association Zoom Connection. Je ne sais pas si je le prononce bien. Très bien. Alors justement rapidement, qu'est-ce que c'est, comment c'est venu Zoom Connection? Alors Zoom Connection, c'est une association qu'on a créée il y a un an qui est destinée à aider le développement des sports d'hiver, des sports de montagne au Pakistan. Voilà, en accord un peu avec les problématiques environnementales actuelles. Et donc elle a été créée suite à un accident que j'ai eu au Pakistan qui finalement m'a permis de rencontrer des gens sur Islamabad qui m'ont fait comprendre notamment le manque qu'ils avaient en snowboard. Et puis c'est vrai qu'en rentrant chez moi derrière, j'ai eu un petit peu de temps, j'ai cogité un petit peu à ça. Et donc j'ai déjà attaqué par envoyer ce lot de snowboard. On a eu des retours très positifs et c'est là que je me suis dit que pour passer à la vitesse un peu supérieure, il fallait qu'on passe par le biais associatif et donc on a créé Zoom Connection. Julien, il faut le dire pour que les auditeurs et auditrices comprennent, vous êtes pro snowboarder, surtout dans la vallée, on vous connaît parce que vous faites de la pente raide. Si, oui, pro snowboarder et guide, j'ai fait beaucoup de montagnes depuis que j'ai jeune, voilà, j'ai fait plutôt de l'alpinisme et puis après le guide et puis j'ai fini snowboarder. D'où l'accident peut-être au Pakistan, on comprend mieux pourquoi. D'où l'accident au Pakistan, ouais, j'avais tendance à aller régulièrement là-bas pour faire de l'alpinisme, puis du snowboard, et puis c'est vrai qu'une fois, ça s'est un peu moins bien passé que les autres. Ça s'est très bien terminé au final, j'ai tout récupéré, mais puis ça m'a permis de découvrir peut-être ce côté plus humain aussi des Pakistanais. Parce que ça se passe comment quand on va là-bas faire des expéditions? On n'est pas trop avec les gens, les locaux, on vient, on fait du ski et puis on s'en va. Là, c'était peut-être une bonne manière d'être plus dans la vie du village. C'est sûr que beaucoup d'expéditions au Pakistan, je ne vais peut-être pas dire sont égoïstes, mais les gens veulent grimper leur sommet, faire le chose et finalement participent pas trop à la vie du dernier village ou des choses comme ça. Et j'ai été le premier à le faire pendant plusieurs années. Ensuite, on essayait quand même de créer des liens avec les locaux et leur amener un petit quelque chose, de les amener avec nous dans la montagne. Mais voilà, c'était pas encore aussi développé. Mais c'est vrai que maintenant, avec notamment un peu les problèmes environnementaux et tout ça, ça me semble plus logique quand on se déplace à l'autre bout de la planète d'amener un petit quelque chose pour les communautés locales, plus que de faire un voyage vraiment juste pour sa pomme. Puis oui, vous disiez que vous, du coup, vous aviez déjà fait un peu ça l'année dernière, vous aviez déjà préparé une collecte, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, on a au total collecté 2 tonnes de matériel là autour de la vallée de Chamonix, donc c'est soit des particuliers qui vident leur cave, et c'est aussi un des principaux intérêts de l'association, c'est que finalement tout ce matériel qui dort dans les caves, qui puisse être recyclé d'une manière ou d'une autre, mais là en général ça plaît aux gens de l'envoyer au Pakistan, à des gens qui en ont besoin. Et ensuite on s'est rendu sur place là cet hiver, donc pour distribuer le matériel, pour montrer comment ça marchait. On avait été un peu prétentieux dans notre collecte, dans le sens où on avait collecté pas mal de matériel de rando, des arvas, tout ce qui touche à la sécurité. Donc ça nous a pris un peu de temps sur place pour leur inculquer, ne serait-ce parce que c'est des choses que finalement ils connaissent presque pas. Ils savent que par endroit il y a des avalanches, mais ils n'ont pas vraiment fait le rapprochement ski, avalanche et... Oui. Et j'ai le micro ouvert, je ne sais pas si j'ai le micro ouvert, mais justement là-bas, comment ça se passe? Est-ce qu'ils pratiquent le ski? Pas trop les Pakistanais, enfin, du moins dans cette vallée où vous allez? Justement, c'est hyper hétéroclite dans le sens où on s'est retrouvé dans une vallée, on savait qu'il y avait beaucoup de skieurs, mais il y a un millier de skieurs recensés, donc il y a des recensements un peu par la mairie, ils s'inscrivent sur des, pour 3500 habitants dans la vallée. Donc c'est donc, pas c'est, mal. C'est un énorme pourcentage. L'année dernière, à la fin de notre voyage, on s'est retrouvé dans une vallée plus ou moins parallèle à quelques kilomètres à vol d'oiseau, qui était presque un peu mieux faite pour le ski, on va dire, pour les débutants, un peu plus plate. Et là, il y avait zéro skieur, personne n'avait jamais skié. Ouais. Donc finalement, sur peut-être 1500 ou 2000 skieurs pakistanais, il y en a 1000 qui sont dans cette vallée, à savoir qu'il n'y a pas de remontée en mécanique dans cette vallée, qu'essentiellement c'est du ski autour du village, que maintenant ils commencent à aller un peu plus loin en marchant ou avec les skis de randonnée qu'on leur a emmenés. Mais voilà, il n'y a qu'une seule remontée mécanique actuellement au Pakistan. C'est un petit télésiège qui est pas super loin d'Islamabad. Donc tous les gens qui veulent skier, hormis sur cette petite remontée mécanique, il faut monter à pied et skier sur du terrain qui n'est pas préparé.
Ah ouais, c'est pas damé là-bas. Pas comme, il n'y a pas de dameuse. C'est pas dameuse, il y en a une sur ce petit télésiège, mais sinon, non, c'est il faut monter à pied et puis il dame un petit peu. Il skie sur des skis en bois qui ont été amenés par l'armée britannique il y a un petit siècle, mais ils ont perduré la tradition. Alors les skis se sont raccourcis dans le sens où ils avaient plutôt des skis longs pour se déplacer au départ, et puis maintenant ils raccourcissent un peu les skis pour s'amuser un peu plus dans le, juste derrière le village sur la petite piste qu'ils ont. Donc on imagine qu'ils sont très heureux de recevoir tout ce matériel. Clairement, ils sont super heureux. Après, on en revient à un autre problème, c'est qu'amener 50 paires de skis dans une vallée où il y a 1000 skieurs, si on les donne en privé à des personnes, ça fait 950 jaloux. Oui. Donc c'était notre plus grosse interrogation avant de nous rendre sur place. Il y a quelques associations, mais il n'y en a pas forcément une dans cette vallée. Donc on a essayé de contacter on va dire un peu plus la commune, les élus. On a eu quelques réunions et normalement tout le matériel qu'on va laisser, eux vont s'en occuper et le distribuer de manière équitable un petit peu à tous les enfants de la vallée. Organiser ça pour pas voilà, qu'il y ait de jalousie ou que ça soit mal amené. Exactement, il y aurait une petite location même qui permettrait finalement que ceux qui veulent skier tous les jours ne puissent pas skier tous les jours et que ça laisse un peu la place aux autres et que dans un futur assez proche, ils puissent être autonomes, payer des gens qui s'occupent du local et voilà, que ça crée aussi une petite dynamique. Et puis vous comptez en ramener de toute façon, est-ce que ce sera au même endroit ou est-ce que justement ben on est en pleine collecte là actuellement, donc voilà, ça va faire un petit mois, le matériel va partir fin octobre. On a déjà une bonne tonne de matériel. Donc, pour la même destination. Bah justement, c'est oui, on va essayer quand même d'avoir un suivi sur cet endroit, de leur renvoyer du matériel dans cette vallée. Ensuite, on a fait la connaissance de l'Hindu Kush Ski Club. Donc on va dire qu'il y a un petit peu plus le club régional. Voilà, j'ai mis le... Ah oui, on peut voir pour les gens qui nous regardent sur Facebook le pull de l'école locale alors. C'est ça du club local. Donc, eux sont amenés à développer un peu plus le ski dans cette vallée essentiellement parce qu'il y a plus de skieurs, mais un peu plus aussi dans la région en général. Donc, on va essayer d'équiper ce club pour qu'ils puissent développer le ski dans des nouvelles vallées où les gens ne sont pas skieurs. On a 2-3 connaissances à droite, à gauche, un peu plus personnelles, on va dire, à qui on demande de monter une association pour que ce soit plus facile. Mais on peut aussi envoyer un peu de personnes, de matériel à ces gens-là. Et la dernière chose, c'est que je pense que dans le futur, en fait, on aimerait bien avoir un bon local à Islamabad, où finalement il y a beaucoup de passages. Ça permettrait même à des expéditions, on va dire, occidentales, qui n'ont pas forcément les moyens avec l'avion d'emmener du poids au Pakistan, mais de récupérer des skis, des snowboards, de les amener dans une vallée ou du matériel d'escalade, de passer un peu de bon temps avec les locaux, et puis ensuite de les ramener à notre local à Islamabad un mois plus tard, par exemple. Et côté pratique de cette collecte en France, là, ici à Chamonix, c'est où, c'est quand, quand est-ce qu'on vous amène du matériel et où? Alors, on a un local en face de... à Lente. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Non plus, mais bon, malheureusement, c'est en face de Carrefour Market, donc c'est le plus simple. Et je crois qu'on est à côté d'un Carrefour Market. Non, là, c'est un casino, je crois. Ouais. Voilà, ça y est, il y a deux noms, c'est bon. On fait la collecte, on fait une permanence tous les samedis de 15h à 18h, donc il reste encore 3 samedis. On risque de rajouter un petit peu des dates avant la fin de la collecte. Dans l'absolu, il faudrait qu'on envoie le matériel avant la fin du mois pour qu'il arrive pas trop tard dans l'hiver au Pakistan. En fait, il part en bateau, donc ça prend un petit peu de temps. D'accord. Et concrètement, c'est tous les gens qui ont du matériel qui traîne dans leur cave, qui n'ont pas l'impression, qui est pas forcément revendable, mais qui veulent pas vraiment le jeter à la déchetterie non plus. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner une seconde vie à tout ce matériel qui traîne et faire des heureux au Pakistan où là-bas, finalement, ils ont presque rien. Et toujours en compagnie de Julien Herry, qui est snowboarder et puis guide de haute montagne ici à Chamonix, à la compagnie des guides de Chamonix. Il est également cofondateur avec le photographe Arthur Guilini de l'association Zom Connexion, qui envoie notamment, enfin qui veut développer, aider à développer les pratiques du sport de glisse dans la vallée. Vous allez nous redire peut-être au Pakistan, en général. Générale, dans les montagnes. Mais tout ça est né dans quelle vallée déjà au Pakistan? De cœur, c'est né dans la vallée des Hunza. La vallée des Hunza. Ensuite, le premier voyage a eu lieu dans la région de l'Hindu Kush, dans la vallée de Madaklaj, qui est plus proche de la frontière afghane. Et ça ressemble à quoi là-bas, en quelques mots peut-être, cette vallée, par rapport à la nôtre ici?
Et voilà, moi je connais essentiellement les montagnes. C'est un petit peu comme à Chamonix, mais en plus haut et encore plus raide. Ah ouais. Alors, mais c'est très condensé. Les vallées s'enchaînent l'une sur l'autre. C'est tout de suite des dénivelés qui sont au-dessus de 2000 mètres. Même les petites montagnes, j'ai envie de dire. Le terrain, un peu comme ici, on aurait le terrain préalpin. Donc c'est juste un... Ouais, il y en a de partout. C'est l'équivalent de 20 fois les Alpes. Donc avec des 8000, plus de 7000, encore plus de 6000, et puis des 4000 et des 5000 pour le ski, on n'en parle même pas. Donc en fait, quand on regarde et qu'on est un peu impressionné par l'aiguille du Midi ici, ou les Drues, en fait, ça n'a rien à voir, c'est du pipi de chat par rapport à là-bas, quoi. Ouais, l'impression que ça fait. La proximité à Chamonix reste unique quand même. Les montagnes sont très proches du fond de vallée, mais il y a des endroits comme dans la vallée des Hunza, Karimabad, qui est un village à 2500 mètres où on voit 5-7 000 depuis le village. Mmh. Et il y en a un qui est vraiment juste au-dessus, comme si c'était par exemple l'aiguille du Goûter aux Ouches. Et il peut arriver l'été qu'il neige pendant une demi-heure dans le village suite à une avalanche de sérac sur la montagne au-dessus. D'accord. C'est aussi toute l'autre dangerosité de ces montagnes là-bas alors. Oui, oui, donc elles sont grosses, donc forcément quand les choses débaroulent, elles débaroulent plus longtemps et potentiellement plus grosses. Bon, pour en revenir à l'association et au projet de Zom Connection. Bah oui, tout simplement déjà, où est-ce que ça va tout ça, quels sont les prochains projets pour l'association? Oui, bah on essaye comme ça progressivement déjà de pérenniser cette collecte de matériel et cet envoi de matériel. L'hiver dernier, on s'est rendu sur place. C'est pas forcément la période la plus évidente pour nous, j'ai envie de dire. Ouais. En plein hiver, en pleine saison. L'hiver commence comme pour nous ou pas? La saison est à peu près la même qu'à Chamonix. Il faut juste voir que c'est un peu plus au sud. Donc en gros, on va trouver les mêmes conditions de température, d'enneigement, 1500 mètres plus haut. Ok, d'accord. Mais sinon, oui, potentiellement de presque de mi-novembre à fin juillet sur les 8000, on peut imaginer avoir une longue saison de ski sur place. Ouais. Et donc on a entendu voilà, qu'il se passait quelque chose ici dans la vallée de Chamonix. Kevin, est-ce que tu as entendu parler de cette mini-rampe? Ah oui, la mini-rampe. Mini-rampe de skateboard. Donc là on quitte le ski et le snowboard, on va sur le skate. Et voilà, apparemment c'est le bruit qui court à Chamonix, il y a une mini-rampe qui a été montée en montagne et c'est Zom Connection qui est derrière ce projet. Voilà, le bruit a bien couru maintenant, mais c'est vrai que moi, mes enfants sont tombés amoureux du skate et du coup je m'y suis mis. Et on a un très bon club de skate à Chamonix, le Moskate Club. Donc l'idée était d'amener le skate un peu dans la montagne et aussi les skateurs qui sont les skateboarders, je sais pas comment on dit, mais les jeunes, même à Chamonix, qui vont pas forcément tout le temps dans la montagne. Donc c'était en même temps aller chercher la beauté de la montagne et puis aussi amener un petit peu les jeunes de la vallée là-haut. Et puis ensuite, de fil en aiguille, est venue l'idée, c'est vrai, avec Zom Connection, d'envoyer cette rampe au Pakistan avec tout le matériel qu'on va envoyer maintenant. Voilà, ils cherchent vraiment à développer le skateboard sur place. Ils n'ont pas beaucoup de matériel. On va envoyer aussi des skateboards et des protections avec tout ça. C'est un petit peu pour leur donner un petit coup de pouce, un petit coup de départ pour que voilà, ils se rendent compte que dans le futur, avoir des modules, j'espère qu'ils pourront faire tout ça par eux-mêmes dans le futur. Donc c'est sûr qu'on peut se poser la question d'envoyer 350 kg de bois à l'autre bout de la planète, alors que du bois et des menuisiers, ils en ont sûrement sur place. Voilà, on s'est dit qu'ils n'en étaient pas encore à ce stade dans le développement du skateboard et que ça leur donnerait quand même un bon coup de pouce, un bon modèle et un exemple à reproduire si vraiment ils se prennent au jeu. Voilà, et puis ensuite, je pense que sur place, ils ont plus ou moins tout ce qu'il faut pour le faire. Mais ça semblait plus facile dans un premier temps de leur mâcher un peu le travail, de tout leur préparer comme il faut. Si on se rend sur place, si tout va bien dans le printemps prochain, on pourra aussi leur remonter. Et leur montrer vraiment comment ça marche. Et ils font du skateboard, donc, les Pakistanais que vous avez rencontrés dans cette vallée? J'ai un très bon copain pakistanais qui est sur Islamabad et qui fait plutôt de la longboard dans les descentes. Ils n'ont pas de skatepark. Le problème, c'est que les routes, ils ont certains endroits qui roulent pas trop mal autour d'Islamabad, mais plus on va dans les montagnes, plus ce genre de revêtement est rare. Ouais, donc, on est sur le caillou direct. Voilà, quoi. Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment ce qui limite pour l'instant dans les montagnes. Après, avec les Chinois qui refont les routes, notamment dans les Hunza, peut-être que d'ici quelques années, ils pourront avoir un bon goudron. Mais voilà, ce qu'on aimerait bien dans le futur, c'est avoir quand même un beau local à Islamabad qui nous permettrait
d'exposer, de ranger comme il faut notre matériel et si possible de pouvoir mettre cette mini-rampe dans ce local, d'avoir éventuellement un petit pan d'escalade et voilà, de commencer à créer une certaine dynamique en se disant que ce skateboard et cette escalade sont un peu une passerelle aussi pour les gens des villes vers la montagne. Et donc du coup, oui, pour les gens qui auraient une planche à donner, on peut aussi vous donner des skates, quoi. Oui, voilà, on a autant les premières années, on faisait essentiellement de la glisse, là ils veulent développer l'alpinisme, donc on envoie aussi pas mal de matériel d'alpinisme, à savoir que c'est un peu plus compliqué en termes de sécurité, mais... Ah, on a un petit problème de son qui est réglé, ça y est, c'est du direct. Les cordes qui seront trop vieilles pour faire de l'assurage pourront servir à tirer des arbres, voilà, ils n'ont pas vraiment accès à tout ce matériel, donc ensuite c'est un juste milieu à trouver, mais clairement des choses comme le skateboard qui finalement ne demande pas grand chose et est praticable presque partout. On aimerait bien dans le futur envoyer des slacklines qui me semblent être vraiment un bon engin, juste deux arbres, tendre une sangle, ça pèse pas grand chose à envoyer et qui peut fédérer, enfin qui peut amuser une dizaine de gamins presque en même temps. Donc voilà, rechercher aussi ces petites activités qui sont ni du ski ni de l'alpinisme mais qui peuvent au final attirer un peu les jeunes et permettre de développer un peu de joie aussi, ouais. toujours autour du sport. Et je me demandais, c'est vrai qu'on peut se poser la question voilà, de ces Européens qui arrivent, qui veulent développer la pratique du ski et des pratiques de sport qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que, comment vous faites, vous, pour gérer ça? Est-ce que vous positionnez, j'imagine pas comme des néocolons qui arrivent pour aider les petits Pakistanais? C'est compliqué à gérer ce... Pas vraiment. Après, c'était quand même une demande de leur part. Parce qu'en 2018, on a fait le film Hunza avec Sam Favret et Léo Slemet. Ils sont des skieurs de Chamonix. Et c'est vrai que cette vallée de Madaklash, où on est allé ensuite, était un peu jaloux, j'exagère. Mais voilà, ils nous ont dit, oh, vous avez fait ce beau film là-bas dans les Hunza, est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose ici? Je pense qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que depuis 4-5 ans maintenant, tous les Pakistanais ont leur téléphone, ils ont la 3G, ils ont la 4G, ils ont Instagram. Ils se rendent compte de tout ce qui se passe tout autour de la planète. Et voilà, peut-être comparé à il y a 15 ans, où ils étaient encore dans leur petite vallée, voilà, ils faisaient du ski, ils étaient contents, mais maintenant ils se rendent compte de tout ce qui se fait. Ils suivent tous les grands riders sur Instagram, donc ils ont envie d'avoir un petit peu plus. Et donc vous leur apportez, et les chamoniards ici qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez amener votre matériel. C'est pas que du matériel de glisse divers, ça peut être des skateboards, et puis il y a aussi matériel l'escalade, etc. Et voilà, ça, on retrouve ça sur votre page. Toutes les infos Facebook, sont sur le site internet www.zoomconnection à l'anglaise. .fr à la française du coup. Et peut-être une dernière petite question, c'est vrai qu'on se posait la question avec Kevin sur la situation politique dans le pays à côté, en Afghanistan. Est-ce que ça pose problème au Pakistan? Est-ce que vous avez eu des... En plus, vous n'êtes pas loin des frontières au final, là où vous... Oui, alors un des problèmes du Pakistan, déjà tout le nord du Pakistan, c'est qu'ils sont coincés entre l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Ils sont très ennemis avec l'Inde, avec l'Afghanistan ça va un peu mieux, et au contraire avec la Chine il y a énormément de trafic. Le problème du Pakistan c'est les talibans maintenant, mais c'est depuis 2001, ils n'arrivent jamais à repartir parce que tous les 2-3 ans c'est soit le Covid, c'est soit des combats entre religions sur place, mais bon à chaque fois il y a... Et puis moi ce qui m'attriste le plus c'est que je me rends compte finalement que 99,9% des Français, des Occidentaux en général, ont une vision très péjorative du Pakistan, en tout cas en termes de politique et de tout ça, alors que moi j'y ai passé presque maintenant un an de ma vie et je me suis jamais senti en danger. Selon moi, il n'y a pas plus de risque d'aller passer l'après-midi à Islamabad que d'aller boire dans un bistrot à Lyon ou à Londres ou à Paris. Et pour en revenir un petit peu aux talibans, ben là, malheureusement... Ils sont quand même présents dans ces vallées. Ils sont potentiellement présents dans ces vallées. Alors là, malheureusement, pour les Afghans, ça va pas être sympa chez eux, mais j'ai l'impression que le monde entier leur a livré l'Afghanistan sur un plateau. Donc ils vont peut-être être contents et tranquilles au moins quelques années et laisser un peu tranquilles les pays autour. Voilà, a priori, le Pakistan, si tout va bien, dans les quelques années qui viennent, devrait pas trop subir ce qui s'est passé en Afghanistan. Mais bon, c'est tellement complexe que...
Ouais. Ce serait dur de. Ouais, de faire de mais... de la géopolitique maintenant sur Globule Radio. Mais merci en tout cas voilà de finir sur peut-être un petit côté positif pour ce pays qui a l'air très beau. En tout cas, ça nous a donné envie. Et on le rappelle, si vous voulez donner du matériel. Donner du matériel, voilà. Ne jetez pas. Vous avez encore 2-3 semaines devant vous. C'est n'hésitez bien. Pas à nous l'amener. Fouillez vos garages et vos caves. Et sinon, c'est reporté à l'année prochaine, j'imagine. Quoi. Sinon, voilà, ce qui est bien, c'est que les gens qui ont donné l'année dernière n'ont peut-être pas grand-chose à donner cette année. Les gens qui n'auront pas donné cette année auront des choses à donner l'année prochaine. Donc si on n'a pas réussi à toucher tout le monde, voilà, si on arrive à pérenniser ça chaque année, j'imagine que d'année en année, on arrivera à récupérer suffisamment de matériel. Eh ben, merci Julien d'être venu au micro de Globule. Et merci sincèrement parce que c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous touche. Ben, donc, merci. Bon courage pour la suite et bonne récolte. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir donner du matériel.